Hello, bon bah ça aurait été le seul message parlé de la journée, mais globalement petite forme, j'ai préféré juste profiter de la dernière journée avec mon fils avant le retour de Vincent. Et ce matin s'est passé très vite finalement, on s'est quand même pas mal occupé. Il y a eu la sieste et pendant la sieste, vous aurez certainement vu, j'ai fait du point de croix. Donc je suis bien contente d'avoir avancé sur mon stitch along Cozy Winter, c'est super chouette. Je pense que je vais arriver tout au bout d'un des coloris, le romarin qui est absolument magnifique. Mais je pense que je vais arriver vraiment tout au bout de ce qui était donné dans le kit. Bon, c'est une bonne chose, au moins j'aurai pas de reste. Mais voilà, j'avoue que j'ai eu un gros doute à un moment donné. Je me suis demandé si je m'étais pas foirée dans une des scénettes, en fait, si j'avais pas utilisé le mauvais coloris. Mais apparemment non. Donc bon, j'imagine que ça a été calculé pile poil et tant mieux. Donc voilà, donc je suis justement avec mon petit point de croix et le mini Melba qui avance bien lui aussi. J'ai réussi à quand même tricoter quelques rangs. Je suis à la toute fin de la première manche, faut que je vérifie la longueur, mais je pense que je suis arrivée à la bonne longueur, enfin la longueur indiquée dans le patron pour passer aux côtes. Donc je vais pouvoir faire ça. Quoi d'autre, j'ai pas fait spécialement de grosses cuisines ou pâtisseries aujourd'hui. C'était pas spécialement dans le programme et j'avais pas forcément la tête à ça. Donc voilà, j'ai regardé quelques podcasts et des vlogtober là pendant la sieste. J'ai particulièrement regardé le dernier podcast de ma copine Fanny Bru. Et c'était super chouette de la retrouver en vidéo. Je crois qu'elle en avait déjà fait une il y a 3 semaines. Et j'étais bien contente qu'elle refilme et qu'elle partage à nouveau ce qu'elle a fait. C'est vraiment toujours un chouette moment, elle est adorable. Si jamais vous ne la connaissez pas, je vous encourage à aller la voir, à aller la découvrir. Et puis voilà ma foi, hein, finalement, rien d'autre à dire. J'ai quand même hâte d'être à demain, il faut bien le dire. Pour que déjà je puisse à nouveau gérer... la petite bête avec Vincent et surtout que lui retourne au travail et que Archie retourne chez la nounou. Comme ça, je pourrais de nouveau avoir la tête 100% sur mes projets à moi, prendre du temps pour moi. Et voilà, ma foi, j'essaierai de continuer à vous emmener avec moi dans mes journées. Ça risque de pas être hyper palpitant. J'ai d'ailleurs un petit peu peur que... là, ces derniers jours, c'était peut-être des vidéos plus courtes et qui n'avaient pas un contenu fou. Ça, j'avoue que j'ai rien programmé du tout. comme disent les Anglais, go with the flow. C'est un petit peu ça. Donc, quand je vois que je suis en train de faire un petit truc et je me dis, oh, ça pourrait être chouette de juste filmer parce que c'est un joli petit moment, enfin, moi qui me fait du bien ou quoi que ce soit, même sans que ce soit hyper joli ou quoi que ce soit, travailler ou quoi. Donc voilà, j'avoue que j'ai pas spécialement de projet particulier là pour la semaine qui vient, hormis monter les petites chaussettes du coup en hélicoptère, mais cette fois-ci avec le combo laine grise et laine rose, laine vieux rose. Celle-ci, donc cette petite paire là, j'ai une autre petite balle de laine un peu variée qui va du blanc au violet. Non attends, c'est pas vraiment violet, c'est pas non plus bordeaux, c'est une sorte de rose mais qui a quand même un peu des sous-teintes violettes que j'aime beaucoup. Je m'étais fait à la base une paire de chaussettes avec et j'ai fait la première et quand j'ai fait la deuxième, je sais pas si ma tension avait changé ou quoi que ce soit, mais ça rendait pas du tout pareil, ça m'a un peu perturbée, donc j'avais préféré défaire. Voilà, je me dis qu'une paire de petites chaussettes pour enfants, de toute façon ça prendra pas beaucoup de fil, c'est un écheveau de 100 grammes de mémoire, donc je peux largement le faire, pas de souci pour ça. Et si peut-être justement, comme je vous en avais parlé, refaire un hexagone pour la nectar blanquette, parce que ça fait très longtemps que je ne l'ai pas fait, et voilà, comme j'ai le bobinet de mini, ce serait l'occasion de les utiliser. Il faudrait que je fasse un check dans mes mini d'ailleurs, savoir où est-ce que j'en suis par rapport à tous les hexagones que j'ai fait, combien il m'en faut encore, parce que j'aimerais bien faire la taille la plus grande de cette couverture. Je crois qu'il faut 27 hexagones complets
De mémoire, j'avais dû en faire une quinzaine, peut-être un peu plus, mais pas beaucoup. Donc voilà, il me faut encore un certain nombre de mini ou alors réussir à piocher dans des restes de laine que je sais que je ne vais pas utiliser pour d'autres projets. J'avais déjà fait ça dans... Enfin, c'était pas vraiment des restes d'ailleurs. Dans deux laines de The Woolly Skin, que j'ai beaucoup aimé. Une qui m'avait été offerte pour mon anniversaire et l'autre, on avait fait un échange avec ma copine Agathe. Et du coup, j'avais pris les, je crois, 10 ou 11 grammes nécessaires à un hexagone pour en faire. Et je me disais, bah voilà, j'aurai une couverture avec ces deux jolis souvenirs. Donc voilà, ma foi, quoi dire de plus? Je pense qu'on est pas mal. J'ai été très raisonnable hier soir. Je vous avais parlé de faire justement le point de croix et le minimal bas ou l'un des deux. Ce qui aurait été plus raisonnable, parce que j'ai été encore plus raisonnable parce que je n'ai rien fait. J'ai fait le montage des jours, je crois, du coup 6 et 7. Je les ai publiés et après je les ai couchés. Donc là, j'ai été très 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 raisonnable. Donc je suis plutôt fière de moi. Donc voilà, bah écoutez, je pense qu'aujourd'hui ça va être encore une journée assez courte au niveau vidéo, mais j'espère que ce sera quand même un bon petit moment que vous passerez ici. N'hésitez pas à me laisser un petit message, voilà, pour savoir ce que vous avez fait de votre week-end par exemple, ce que vous prévoyez, s'il y avait des choses particulières que vous prévoyez de faire la semaine prochaine en termes de projets ou de petites sorties. Voilà, ça peut être chouette de connaître ça, même si vous êtes dans des régions différentes. Nous, je pense que de toute façon, il n'y aura pas de sortie. Le week-end suivant, non, il n'y a rien de prévu. Si on doit avoir un repas avec notre voisin, mais rien de plus fancy. Donc voilà, de toute façon, vous suivrez un petit peu tout ça. Si je dois faire de nouveau un dessert ou quoi, je ferai peut-être un deuxième cheesecake. Je pense que notre voisin va être peut-être un peu à bout si je fais ça tout le temps quand on se voit. Mais je verrai, je sais pas comment on va s'organiser, je sais pas ce qu'on va prévoir comme repas, parce que du coup cette fois-ci c'est chez nous. Et je pense que je vais arrêter de déblatérer maintenant, il est temps. Ce soir j'ai une petite visio avec ma copine Chloé, j'ai trop hâte, trop hâte. Voilà, on va pouvoir papoter, ça va être super chouette, donc là je prends un petit peu de temps pour moi entre le moment là où je viens de coucher Archie et ce moment visio. Et voilà, du coup, je ne sais pas si je vais refilmer ce que je suis en train de faire vu que bah, c'est les mêmes projets que j'ai fait là cet après-midi, le point de croix et le pull d'Archie. Donc voilà, et même je ne pense pas filmer l'écran de mon ordinateur étant donné que je vais certainement regarder encore soit les mêmes Vlogtober, soit des choses que vous connaissez déjà, voilà, il n'y aura rien de particulier. Donc bah écoutez, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne fin de week-end, et puis on se voit demain.